Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Ça fait un moment que je n'avais pas filmé parce que j'en avais plus trop envie. Mais comme vous avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mes coloriages terminés du troisième trimestre. Et puis, bah voilà, on va passer en vue bureau et je vais vous montrer tout ça. Alors, nous voilà en vue bureau. Donc, on va commencer avec le premier, donc de Clara Markova dans le Magical Delight. Ça faisait super longtemps que j'avais pas colorié un Clara Markova. Et en fait, c'était un encours que j'avais commencé il y a à peu près un an et demi, parce que c'était, enfin, un an plutôt, ce que c'était au moment d'Halloween l'année dernière. Et donc, je sais que le fond c'est du Albrush Dürer pour tout ce qui est ciel. Attendez, je regarde mes notes en même temps pour rien oublier. Alors, il y a du Prismacolor, bon, pour tout ce qui est arbre, charrette, enfin tout ce qui est vraiment dessiné. Ensuite, il y a du Derwent Drawing. J'ai utilisé que le noir pour. Parce que je le trouve vraiment bien, le noir des Derwent Drawing. Il est très, très, très intense. Il se travaille super bien. Ensuite, j'ai utilisé du Polychromos pour faire les petites touffes d'herbe qu'on peut voir ici. Parce que je trouve que ça va mieux avec le Polychromos, parce que ça me fait moins mal au cœur de le tailler pointu que mes Prismacolor. Donc le fond Albrush Dürer, ici je crois que c'est du Albrush Dürer aussi, mais posé sur palette et que je prélève. Il y a de la colle à paillettes dans les potions. Voilà. Et du Posca, donc il y a du Posca fuchsia et jaune pour faire les petites fleurs et du blanc également. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on part dans le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Donc, j'ai fait celui-là et ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait un coloriage aussi vite, enfin moins de 24 heures sur le coloriage. Donc, j'ai utilisé que les Albrush Dürer, mais j'ai pas colorié directement sur le dessin. Pareil, j'ai fait avec ma palette Carandache que j'ai colorié les. Enfin, j'ai posé les couleurs dessus et après j'ai prélevé au pinceau. J'ai également utilisé de l'aquarelle nacrée Paul Rubens dans les ailes. Parce que je voulais vraiment donner cet aspect nacré brillant comme les ailes d'une vraie libellule. Et il y a un petit peu de Posca ici par exemple pour faire l'effet goutte d'eau ou donner un petit peu plus de lumière. Donc voilà. Ensuite, on part dans Maria Troll où j'ai réalisé ce coloriage. Donc, je voulais vraiment faire un été campagnard. J'avais pas envie de faire forcément un été à la mer. Et bah, voilà, je trouve que j'ai pas mal réussi. Donc, tout ce qui est dessiné, c'est aux luminances, sauf la musaraigne et le papillon qui sont au Prismacolor. Et pour la petite souris, la musaraigne, j'ai utilisé un tuto de Christian que j'ai suivi, qui m'a beaucoup aidée parce que je pense que j'aurais jamais réussi à avoir la bonne teinte pour les poils. Et le fond, il est fait à l'aquarelle Winsor & Newton et je suis assez contente parce que bon, l'aquarelle, je commence à avoir l'habitude pour les fonds, mais vraiment avec cet effet tache, parce que là, je sais pas si on voit bien, mais il y a des petites nuances de vert, là de orange, là c'est du rouge, il y a aussi du rose violet. Enfin voilà, je suis vraiment très 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 contente de moi pour ce coloriage, je l'aime énormément. Ensuite, donc dans mon objectif d'avancer dans le Daydream d'Anna Carlson, j'ai réalisé une page avec des coquillages. J'espère que je vais vite la retrouver. Ah, elle est là. Donc je voulais cette fois-ci faire un thème à la mer, mais sans bleu. Du coup, je suis partie dans ces teintes parce que bah, c'est des teintes que j'aime énormément. Je pense que vous avez dû le remarquer. Tous les coquillages, pardon, ils sont faits au Lightfast.
Vous pouvez voir les petits éléments dorés, c'est de la l'encre Winsor & Newton, l'encre dorée qui est super, elle est parfaite. Franchement, je l'adore. Et puis pour tout ce qui est les petits fonds, les petits points, c'est de l'aquarelle Winsor & Newton tout simplement. Donc voilà, il est assez simple, mais je l'aime bien. Et j'aimerais bien faire celui-ci, bon, sûrement l'année prochaine, hein, me connaissant. Mais dans les mêmes teintes, en tout cas, pour rester dans le thème de la double page. Voilà. Ensuite, ça faisait super longtemps que j'avais pas colorié dans du Johanna Bashford. Et là, j'avais trop envie. Donc là, c'est mes petites notes pour quand je referai la double page pour ne pas oublier mes combos couleurs. Donc je me suis inspirée très très fortement d'un coloriage, enfin d'une palette de couleurs de Edita 1985, je crois. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est que du Prismacolor au niveau crayon de couleur. J'ai fait le fond au crayon de couleur. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas fait ça. Il y a du Posca comme vous l'avez vu et des petites paillettes. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est très coloré comme j'aime. Un petit peu vieilli en même temps, mais voilà, j'aime trop. Et puis, bah, comme vous avez vu, j'ai pris des petites notes pour refaire les feuilles, etc. pour l'autre page, je ne sais pas quand. Et alors, ma page gondole, comme vous pouvez le voir, mais moi, je fais comme si ça ne gondolait pas, sinon je ne ferais plus aucun livre. Parce qu'ici, j'avais utilisé de l'aquarelle et le papier n'a pas trop trop aimé, ou alors j'ai mis trop d'eau. Mais c'est pas grave, je m'en fous, je fais comme si de rien. Voilà pour celui-ci. On retourne chez Anna Carlson dans le Soulmate. Et là, j'ai réalisé une sorcière pour le challenge, le Pumpkin Coloring Challenge de Les Passions de Morgane, donc c'est mon premier, donc c'est pour la catégorie sorcière. J'ai pas voulu faire une sorcière bah, tout habillée en noir ou en violet, enfin les trucs assez classiques, donc je suis partie sur ça. Et moi j'aime bien les sorcières plutôt très naturelles, enfin presque druides. Et j'aime beaucoup. Du coup, j'ai utilisé du Day One Drawing dans les cheveux, dans tout ce qui est bois aussi. J'ai utilisé tout le reste, c'est du Prismacolor. Et pour le fond, c'est du Neocolor 2. Et je me suis inspirée aussi, j'ai oublié de le dire, j'avais mis la photo sur le poste d'une carte d'oracle. Que j'utilise des oracles et qui m'avait inspirée et qui était dans les mêmes tons que ce que j'ai fait, je m'étais inspirée pour les couleurs. Donc voilà pour celui-ci. On part chez Annaline. Pareil, ça faisait presque un an que j'avais pas colorié de dessin d'elle en tout cas. Et ça m'avait manqué. Donc le voilà. Donc c'est la cueillette des pommes et la tarte aux pommes. C'est un moment que j'aime beaucoup au mois de septembre. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Alors j'ai utilisé toujours en base, enfin pas toujours, mais très très souvent en base pour les analines, j'utilise les marqueurs à alcool. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai utilisé pas mal. Donc ce sont les twin marqueurs d'action, où il y a quelques-uns, c'est les caméléons, mais j'en ai plus beaucoup parce que bah, d'une, j'ai que le pack pour les couleurs peau, donc j'ai avec 5 crayons. Et il y en a deux qui ont rendu l'âme, donc je crois que j'ai juste utilisé le marron de base pour faire les petits carreaux et le tablier. J'ai utilisé des Prismacolor pour retravailler la peau, les cheveux, etc. J'ai utilisé les Light Fast pour retravailler le rouge des pommes parce que j'arrive mieux avec le rouge des Light Fast que des Prismacolor. Alors pourquoi, j'en sais rien. Et bien sûr, il y a des petites touches de Posca sur les pommes, vraiment très très léger pour donner un petit effet glacé. Et ce coloriage rentre aussi dans le challenge de Morgane pour Halloween, pour la catégorie coucher de soleil. Donc voilà. Et le petit dernier.
Donc c'est Tale from Forest Kingdom. Je ne vous le lirai pas en suédois. Alors, c'est un coloriage que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé faire. C'est le premier que j'ai fait. Alors, le fond est fait à l'aquarelle Winsor & Newton. Tout est fait au Prismacolor, sauf les pieds des champignons et le cercle qui est au drawing, pardon. Et voilà, je l'aime beaucoup. Par contre, je suis un petit peu dégoûtée. C'est que j'avais mis ici du scotch de... Vous savez, du scotch d'artiste pour protéger les pages. Et en fait, il y a deux petits bouts, un bout qui dépassait là et un bout en bas. Et en fait, mes chats l'ont trouvé, l'ont tiré dessus et en fait, ils m'ont arraché ici. J'ai essayé de le recoller, mais ils ont arraché ici et du coup, je suis un peu deg. Après, c'est pas un dessin qui m'attirait forcément. Voilà, je suis un petit peu deg. J'aime pas quand mes livres sont abîmés. Donc, je verrai si je le rachète ou si je fais comme si de rien. Je pense que je vais faire comme si de rien. Je me connais. Et je colorierai par au-dessus. Et puis, c'est tout. Mais voilà, je suis un petit peu dégoûtée. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très vite.